Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Les Quotidiens. Les Quotidiens, c'est l'information de chaque jour que nous essayons d'analyser avec nos invités qui sont comme ça puisés dans différents secteurs de la vie. Là où il y a une question qui n'a pas de réponse, eh bien nous essayons de prendre cette question et de trouver un spécialiste pour y trouver comme ça deux réponses. Alors la grande question aujourd'hui, elle sera d'ordre sanitaire. Donc nous allons parler du traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate sans intervention, mesdames, messieurs. Voilà. Aujourd'hui sur ce plateau, nous aurons un pasteur. Vous vous posez la question. Voilà. Il n'a pas seulement la casquette du pasteur. Il est également homme de santé. Vous allez avoir les précisions tout à l'heure. Il s'appelle comme ça, le pasteur Papy Luc. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, papa Madeleine. Merci beaucoup. Très content de vous rencontrer aujourd'hui. Voilà, on va parler de la santé aujourd'hui. Je vous présente comme pasteur. Les gens qui sont à la maison, ils se posent multiples questions. Nengenini, pasteur, Aroloba, Makamboa, santé. Je suggère déjà aux téléspectateurs que vous avez la casquette, Moussous, autant de découvrir tout à l'heure. Oui, on est pasteur. En plus d'être pasteur, je suis clinicien, phytothérapeute moderne. Et l'axini. C'est-à-dire, phyto, ça veut dire plante. Oui. Thérapie, ça veut dire traitement, ça veut dire nous administrons les traitements à base de plantes médicinales. Nous faisons la phytothérapie moderne. Voilà, vous avez compris que Torozala bilingue, donc on va parler le lingala et le français pour que message quoi koma na bato nyonso au bazali kolanda biso. Alors, phytothérapeute, autodéfinir très bien que vous soignez à base de plantes médicinales. Nous avons également la médecine moderne, nous avons également la médecine traditionnelle. Ça crée une sorte de confusion, ou soit, type de médecine, on a pour dire, il y aura la matière. Non, moi, confusion, exactement, parce que vous savez, nous sommes des LITRACO, c'est l'Union des traditionnels praticiens du Congo. Mm-hmm. Et il y a, depuis 2018, la loi des santé, mm-hmm. qui était publiée en décembre, autorise l'exercice de la médecine traditionnelle à côté de la médecine moderne. Mm-hmm. C'est-à-dire, maintenant, nous, en phytothérapie moderne, la démarche, elle est comme en médecine moderne. Mm-hmm. Et la différence intervient maintenant, c'est au niveau de la prise en charge. Okay. Au lieu d'administrer les produits modernes, nous, mm-hmm. nous administrons les produits phytosanitaires. Donc, mm-hmm. c'est là où il y a un peu la différence. Mais la démarche, la consultation des malades de la tête aux pieds, ça s'est fait comme en médecine moderne. Donc, mm-hmm. nous demandons les examens paracliniques. Et dès que les patients ont ces examens paracliniques, on peut maintenant instaurer les traitements sans problème. Je suis en train de poser multiples questions. Vous êtes pasteur, vous êtes en même temps médecin. Est-ce que c'est facile de porter les deux casquettes? Oui, c'est pourquoi même à l'église, on m'appelle double passeur. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé ces métiers. C'est depuis 2008 et aujourd'hui, on est en 2020. Il faut compter les années. Donc, c'est un peu ça. La première de ces deux casquettes, Nino Lata et Liboso, vous avez Liboso pasteur ou vous avez Liboso phytothérapeute? Non, 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 il y a Kimunganga. Ah, ok. Il y a Kimunganga des Liboso parce que ça, c'est mon métier. Voilà. Et puis, il y a pasteur et Yekoyasi. Alors, avec vous, aujourd'hui, nous voulons parler du traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate sans intervention. Sans intervention chirurgicale. Ok. Alors, d'abord, c'est quoi l'hypertrophie bénigne? Avant tout, quand on a marre, sans intervention. Oui, je voudrais d'abord que les gens comprennent que la prostate, c'est quoi. Mm-hmm. Parce que confusion, c'est la ramine qu'il a cité. Et mm-hmm. je vais signaler ici qu'une femme n'a pas de prostate. Okay. C'est l'homme qui a des prostates. Donc, mm-hmm. prostate, c'est la maladie. Mmh. Prostate, et ça, quand moi, clan, je vois mon pied, et ça, quand il n'y a pas de mobile, non, ce moment, non, ce moment, il y a Botani, à Tali, il y a mobile. Donc, tu comprends, et prostate, c'est éteint, il y a un bon mobile. Et ça, gland. Moko, il y a bien. Moko, il y a gland, et pas, il y a biso mibali. Alors, ils sont situés entre la vessie. Et ça, c'est la vessie. Okay. Alors, c'est pourquoi, en grec, il y a le mot prostate. Prostate qui veut dire en dessous de quoi, en dessous de la vessie. Alors, et ça, glande, il y a reproduction et perdition mibale. Parce que pour nous, nakati, tous au coup enzyme ébélé na ba vésicule séminale. Alors, enzyme ou na ba vésicule séminale, ne est-ce qu'on a capable de fabriquer
superbe na biso ya mibali. Vous comprenez? Nde esungaka tant que ba spermatozoïdes ali ko uta na ba testicule au niveau ya ba canaux déférents. Tant que zoto kuna ezo micré hémati et que ko se jeter na quatre glandes prostatiques et sanga na ba vésicule séminale ba ba mayo na zakula nde esali ba sperme na biso ya mibali ya nde omoni ke mobali ya ko kozala bien. Alors, cette glande est affectée par trois maladies. Mm-hmm. Donc, ils ont une maladie nissage. Comme quoi? Maladie à l'égosso, et là, c'est ce que nous appelons prostatite. C'est-à-dire une inflammation au niveau de la glande. Donc, infection dans la glande. Maladie à mi-palais, ils ont autres zones de la peau, hypertrophie bénigne de la prostate ou l'adénome de la prostate. C'est-à-dire l'augmentation anormale. Il y a volume, il y a pour ça, parce que je précise que le volume normal est de 10 à 20 grammes. Et pas il y a mobile. Mm-hmm. Donc, ils ont varié de 10 à 20 grammes. Alors, ce qui est commis pour dépasser le volume, est commis hypertrophie, c'est-à-dire volume hémati. Mm-hmm. Alors, troisième malade, au gland des alicosois, ils ont adénocarcinome de la prostate. Donc, l'adénocarcinome de la prostate, c'est le cancer de la prostate. Il y a malade qui s'est trouvé et glande il y a prostate. Alors, cause n'a pas été connue. Cause il y a malade qui s'est connue, mais selon les scientifiques. Mm-hmm. Mais le facteur favorisant est maladie et le quoi les bosso et ali dysfonctionnement hormonal. C'est-à-dire, tant que les hormones et bandit qu'on fonctionne sous ce malade et pas à mobali à cause il y a âge. Parce que j'ai signalé que ceux qui déjà m'ont pas les bons sous-ans à âge, il y a 45 ans, 50 ans, jusqu'au-delà, il faut toujours faire les check-up pour mettre la prostate, et ils ont évolué les gagnants. Alors, à cet âge-là, déjà à partir des 50 ans, comme à tel colo, bah, hormone mâle, bah, hormone d'habitude à mi-bali, et comme à cas, qu'on fonctionne sous ce malade, ça peut entraîner que glande ait augmenté volume, ou soit aussi, il y a une multiplicité des infections. Urogénital, ceux qui m'ont balayé, j'ai ma infection et délai, il ne s'est fait pas soigner bien, s'est fait soigner bien. Dengue, monia, tout ça, automédicaments, tout ça. Alors, tant que l'infection a des années pour dégénérer, qu'on a, mais est-ce que ça a aussi que glande et va n'a volume? C'est un peu ça pour que tu vas comprendre les années. Voilà, vous venez de nous parler de causes, les causes ne sont pas très très bien connues, ou soit quelques causes que vous avez énumérées. Et tout à l'heure, on a compris que l'hypertrophie bénigne de la prostate, les alitas en prostate, et suit volume. Alors, problème, est-ce que, Nandengo expliqué en Oana scientifiquement, est-ce que cette hypertrophie, solution en Oana, est en volume, je ne sais pas, en tant que médecin, qu'est-ce que vous allez nous dire? Oui, généralement, l'indication, ce qui volume est à Pomata, il faut faire l'intervention chirurgicale. Okay. Donc, on doit opérer, c'est-à-dire on constate que le volume est augmenté, c'est par rapport à un bilan ou un sénat. Entre autres, à la consultation, on peut observer ça à la clinique par le toucher rectal. C'est-à-dire des TM, au niveau de Nice, il y a un explorer le plan, mais on peut observer le bilan par la clinique. Entre autres, l'échographie vésico-prostatique. Et pour révéler qu'il y a volume, il y a un matato, volume, il y a un okita. Alors, tant que nous avons examiné, il y a aussi d'autres bilans qu'on peut aussi comprendre. Entre autres, examiner, il y a Masouba pour aller à la recherche de l'infection. Il y a par exemple la culture des urines, pourquoi ça la culture, il y a Masouba. Ou bien on peut aussi explorer les liquides prostatiques. Juste quand on a le cas. Si y a une infection là-bas où il n'y a pas d'infection. Et si, par exemple, l'échographie nous révèle que le volume est à comate, on a une sorte de volume normal et ça va être 10 à 20 grammes, à 20 grammes de pourcentage. Donc, ce volume est à comate, par exemple, comme on a montré déjà là-bas, 50 grammes de pourcentage, ou bien il est déjà au-delà de 200 grammes, parce que ça a pris. De 200 grammes là maintenant, au moment où il y a des complications urinaires, l'indication c'est l'intervention chirurgicale, c'est-à-dire qu'on doit ouvrir, faire l'ablation de la glande, pour nous permettre que nous puissions vivre bien sans. J'avais bien voulu pouvoir intervenir ici, pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours passés, nous avons reçu sur ce même plateau
un chirurgien qui nous a parlé. Les alliés, voici l'homme hospital que nous saluons. Le bel Akibiso, il faut passer dans l'intervention chirurgicale. Vous l'avez dit tout à l'heure. Mais notre thème, au Tokomi Lelo, Tokomi sans intervention chirurgicale par la phytothérapie. Oui. Vous allez phytothérapeute. Ça va se passer comment? Oui, vous allez comprendre que il y a des produits phyto modernes. Mm-hmm. Alors, c'est un produit-là, dès que nous l'administrons, ça va aller agir au niveau de la glande prostatique. Mm. Ok? Tant que vous avez agi au courant, vous allez voir que ça a été un peu de glande et son volume anormal. Tant que vous avez acquis, il y a aussi un autre produit que nous introduisons par le meilleur élimère. Alors, ces produits-là vont aller faire les déboulonnements à l'intérieur. Après 12 séances, on recommande encore l'échographie vésico-prostatique contrôle. Parce que moi, je veux dire que nous faisons la phytothérapie moderne. Ce n'est pas comme la récitation au bateau, Non. La démarche est bien connue et après 12 séances, la personne doit passer par son examen d'échographie, donc écho-vésico-prostatique. Ce n'est pas nous qui faisons ça. Je peux l'envoyer dans une autre institution, un autre médecin peut aller le consulter, atteindre les résultats et nous avons des preuves scientifiques. Non, positionnez Bissot. Parce que vous avez soutenu la thèse, soi-disant que les interventions chirurgicales peuvent trouver la solution. Mais vous soutenez également une thèse en tant que phytothérapeute que vous avez administré Moutoubakissi et qui est comme ça la déboulonnage. Ça, ce sont les termes que vous avez utilisés. Alors, où est-ce que vous allez dans votre témoignage? Il y a le cambozolo avec des médicaments seulement et pour que nous soyons la déboulonnage. Voilà pourquoi ça crée des confusions entre vous et les médecins hein, modernes. Oui, mais je vous dis, ça fait 2008 que je fais ce travail. Mm-hmm. Nous avons tant de malades que nous avons eu à prendre en charge et aujourd'hui, ça vient, ils vivent sans problème. Vous avez trouvé la solution seulement avec les médicaments. Et dans la prochaine émission, je vais vous amener des preuves scientifiques. Okay. C'est-à-dire le résultat. Mm-hmm. Hein, en médecine, c'est-à-dire on a besoin des preuves scientifiques. Bien ce sûr. Sont les résultats qu'un malade a fait. Ce n'est pas on parle seulement dans la bouche. Non, un malade qui a pris le médicament et il a fait son examen avant le traitement et son examen après le traitement. Mm-hmm. Je vais vous amener ça dans une émission prochaine pour que nous puissions éclairer bien l'opinion. C'est-à-dire, selon les débats qui s'accablissent dans la classe, il faut qu'on fasse les boumous. Colombola, bien sûr. Maintenant, il y a aussi une autre science. Au-delà, il y a une autre science dans la classe. C'est que nous appelons la phytothérapie. C'est-à-dire, avec le médicament à plantes, à base de plantes médicinales, dès que la personne les prend, aux hommes dans la moko, glande et aux hommes dans la. Parce que je vais signaler que pour. Mouton comprendre déjà qu'il y a des symptômes. Il y a des symptômes. Même une question qui m'est venue à l'esprit quand vous avez parlé que les malades mourent à poids de l'âge. Je retourne un peu mon tourner. Il y a un bon symptôme pour tout comme. Alors, quelle voie hein? Je vais vraiment qu'un homme ait conscience sans parti pris pour les alliés de thérapie. Quelle voie vous conseillez aux téléspectateurs aux alliés la meilleure? C'est une intervention chirurgicale ou se venir vous voir pour une intervention, mais sans katayombeli, parce que chirurgie, toujours une opération en fait. La fois la plus meilleure, vous savez, c'est suivre un traitement phytothérapeutique. Parce que par exemple, si quelqu'un a déjà l'adénocarcinome de la prostate, c'est-à-dire le cancer de la prostate, là on ne va pas opérer. Si on opère, il n'y aura pas de solution. Vous savez, sur les 100% des interventions chirurgicales, l'échec est à 80%. C'est-à-dire qu'on peut opérer à un certain moment, tu vois que la personne, même problème où on a les ongles, où la personne peut mourir. Tu vois un peu. Et c'est comme ça même, à l'étranger, on conseille maintenant les traitements phytothérapiques. C'est-à-dire les traitements phytothérapiques, ils arrivent pour aider Moutou à vivre maintenant très longtemps et puis
Parce que formulaire il est remonté. Au commande la personne qui avait beaucoup de difficultés, on a des folies, mais ils sont dit normal. Parce que je voudrais dire ici que ce qui est connu à niveau de la cancer va recopérer des vies, par vaisseau et belé, les tinachak n'a plus de douane. Et puis on peut opérer, on m'a dit, on a dit qu'au Seigneur, jusqu'à ce qu'il va faire l'anémie, on peut vous trouver dans la Seigneur, pour finir. Vous voyez un peu, c'est pourquoi aujourd'hui, nous conseillons aux gens de suivre les traitements phytothérapiques. Voilà, les conseils sont donc donnés par le pasteur, il est aussi bien sûr phytothérapeute, et il s'appelle comme ça le pasteur Papy Luc, Netouyambielelo, parce que cette question, Ezali, Tozali Kokuta Nango Mingi, na kaba malade pa yabato mingi il kamboya prostate parce que kala ezalaki soko yoki prostate alors ba konzi mingi boyebi ba kufana yango mikolo mingi ba kufana yango il faut ba end il faut ba mboka libanda pour nos solutions. Vous avez aussi entendu parler de cela avant tokota na ba symptome kala oyoka yango te oui ngana zo kama kuti yo so balanga ke yo okoyoko soigner prostate na ba nzete soto bi ke prostate photo ke ne ba end to luka ba mbonga ba billet ba passeport ba libanda pour ça. C'est la médecine traditionnelle. En Inde, là où Bakis ou Bazo Pris, on a ce sont les produits phytosanitaires. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, on doit encourager ce qui se fait. Mm-hmm. Okay? On doit encourager que quand il y a des inventions à Bana Boka, et c'est qu'il faut soutenir en parce qu'ils ont valorisé Boka Nabiso, ils ont pris ça fait valeur dans Boka Nabiso. Mm-hmm. Vous savez, à ce qui concerne le problème, il y a autres choses, au cabinet phytothérapie congolaise, là où je suis, vraiment, on donne la solution sans problème. Comment on a que Moutou a zongi santé et commis normal. Moi, à tout ça, les sous-sous, au moins, a commis très bien sans beaucoup de difficultés. Ce sont les produits à base de plantes médicinales congolaises. Ah bon? Voilà. Donc, ce ne sont pas les plantes à l'Ibanda, et ça, les plantes à l'Ibanda. C'est-à-dire que nous devons valoriser notre phytothérapie. Quel type de maladie ou écobie qui s'ama na phytothérapie? Quel type de maladie? Oui, comme chez nous au cabinet phytothérapie congolaise, sur l'avenue au Opala numéro 4, à savoir, référence, c'est la force, comme les mêmes itérins, nous les soignons sans intervention chirurgicale. Vous voyez? La stérilité du couple, nous soignons ça là-bas. Nous avons les hommes qui ont les problèmes d'azospermie, donc absence des spermatozoïdes dans le superbe. Vous voyez un peu, ce sont les hommes qui ne mettent pas au monde. Okay? Alors, avec le produit phytothérapie congolaise, autre chose, c'est la cabinet phytothérapie congolaise, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous et quand nous avons ces produits-là, ça va les créer, parce que ici, j'ai signé des gens qui ont dit azospermie obstructive, l'azospermie sécrétoire. C'est-à-dire, et il y a subi ça, l'intervention chirurgicale, Alors, quand nous administrons ces produits-là, tout ce qu'on dépose, il y a beaucoup de choses. Et puis, production, il y a la spermatogénèse, au niveau, il y a la testicule. Et bandit, comme ça, les mains, au moins, qu'à ce moment-là, nous avons beaucoup de hommes qui ont mis jaune. Nous avons trois ans, il y a varicocel et puis hydrocel. Il y a plusieurs maladies que nous traitons au cabinet phytothérapie. Voilà, plusieurs maladies sont traitées là-bas à part le coronavirus. Voilà. je voulais vous éclairer. Je vous ai dit que nous sommes à l'ITRACO, l'Union des tradis praticiens du Congo. C'est-à-dire. Il y avait des protocoles qu'on a proposés à l'association. Et l'association a amené ça à la hiérarchie. Nous attendons jusqu'aujourd'hui qu'on nous réponde par rapport au protocole. Parce que nous sommes dans une association. Et une association a ses normes pour valider qui si il y a toujours une processus. Alors il y a des formules. Mais selon vos recherches, des boussoles, quand vous estimez que ce que vous avez mis en haut, vous êtes sur la bonne voie. Ça va aider les Congolais. Ça va aider mon père parce que ça a été déposé à niveau de l'association. Et l'association a déjà amené au niveau du ministère, dans la secrétariat, il y a santé. C'est que celui qui va valider, ça va aider les Congolais. Voilà, secrétariat, ministère de la santé, essayez un peu de voir clair, faites avancer le dossier, peut-être que. Et Rosunga, ba Congolais Mingi. Alors, Nalinga qui n'a posé Motuna, très intéressant, je sais. Je veux qu'on parle des symptômes. Parce que... Non, dans ce cas, il y a un symptôme. Sentez vous à l'aise dans ce cas, il y a un symptôme. Mais Nalinga, il y a un symptôme. Et Ningisanga, moi, je suis Motu.
Vous pensez que pour avoir la prostate et que ma hypertrophie est de valeur et tout, il faudra que ma personne âgée, ma jeune, ma que vous allez atteindre la maladie. Merci beaucoup, c'est une bonne question. Na relevé aspect moko na na kat na ba facteur qui allez favoriser malade. J'ai parlé des infections. Au moment na lelo, il y a par exemple des jeunes de 33 ans, 35 ans, il a une hypertrophie. Dit na ba infection oyo a zui de à gauche à droite, parce que je voulais aussi éclairer l'opinion qui est parce que va le braquer. Ce qui nous cause soit basse et belé, mais à beaucoup de la maladie à prostate. Non, le cas où le bas m'a fait belé. Mais ça, mon côté, c'est à dire ce que vous soit basse et belé et que pas soit la bazar à bas microbe. Microbe, on est ok, mais qu'on vend dans la glande naïo et vous pensez à la clé glande des salamini et belle. Des naïfs na épandelé à oua et ça va toucher par trois malades et vous allez toucher par une prostatite. Ce que c'est faire soigner tendé et que comme on a une fois à bas, il y a hypertrophie, c'est à dire. Même jeune à côté de la à partir de 30 ans, comme Matali Koulou, s'il a attrapé une infection urogénitale, où il a se faire soigner bien et au sein de laquelle a bien la paix maladie. Voilà, toujours le belango, toujours la hypertrophie bénigne de la prostate sans intervention chirurgicale avec le pasteur Papiluc, qui est phytothérapeute. Alors, Ndekomo Razolanda Bisso, il a peut-être des douleurs, hein, pour tomber prostate de tel gamme. Oui. Bah si baza concerné te regarde tout ma faut ça l'examen et pas il y a bah tradit praticien bah et puis si moi je suis en azan prostate non moi, la femme a son utérus au bas bas dans la prominement matrice voilà alors mon bali mon cousin Landa Bisso il a des douleurs ayoki Bisso tout le bénin comme bas prostate bah symptômes nini oh il y a peut-être à le consentir à y éviter ou qu'on confirmer sur ce plateau que ce qu'on monte boyer alors qui m'en bat mingi mingi cause à peu prostate ce qui nous doit soigner la maladie on a toujours le bilan adénome de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate et le quoi les bosseaux au moins là bah trouble mixtionnel c'est à dire bah habitude non là pour souba et pour changer au moins là que mon tout ce qui est anormal même yo attend là ce qui nous a la maladie ce qui n'a que pour la souba. Ma souba n'a pas de vitesse. Ok. Et vous pouvez se poursuivre à zéro. Et vous pouvez se poursuivre à voilà. Mais ce que vous avez dit, souba, vous avez dit ma souba est une de musicaté. C'est autre chose que vous avez dit, j'ai une faible dirine. C'est-à-dire, ma souba est sous la pression. C'est-à-dire, il faut faire beaucoup attention. Il y a déjà un problème. Au moment où vous avez dit, vous avez souba, après 5 minutes, et ça, quand vous avez dit, au subit, aux autres santé sous pour ça, il y a des sous les sous. Après 5 minutes, donc, autres autres dans la médecine pour la kiri. C'est-à-dire, au sous il y a un nom dans les différents dans la poliri. Pour la kiri, il y a un sous dans la poliri, il y a un sous il y a quantité belée. Bah, la moko. Oh, le mot diabète à ça, là, au bout du mot diabète, il y a un la quantité belée. Mais nous avons procédé au commande au subit. Et puis, tant aux autres sous senti le corps la possessivité. Ok. Autre chose qu'on appelle mixtion à régorgement. Mixtion à. Donc, qu'on soube et commis pénal, moi, coco somingi. Comment on appelle tant aux autres souba, voilà. Aux autres souba, ma souba, ils ont la pression, ils ont la musique à péter, et puis, ils ont à sentir moins douleur. Autre chose qu'on a d'usurie, difficulté d'irini. Donc, pour un souba, il faut à cambrer, à pomper, à tindre, à macacher, à mettre ma souba. Une dysfonctionnement érectile. On recommande que moyen mobile a fonctionné dès que mobile tout fonctionne. Exactement. Azo fonctionné. Bon côté. Les sous bon côté. Tu peux aussi voir que nakosuba nayo, masuba et quoi que ça l'amène, ils ont dit man accompagné dans ma kila. Ozo souba ozo mona que quand nama souba nayo
Moi, ma clé, les erreurs, autres zones, n'a immature. Là, il faut maintenant faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Il faut qu'on m'a maintenant marou pour avoir un traitement et qu'on ose à bien. Tu peux aussi voir quelqu'un qui a fait une rétention, donc ok, pour avoir un souba, ma soube des eaux guimatées. Rétention urinaire aiguë. Ok, maintenant pour avoir un souba, au télémi, aux autres pour ça, pour souba, aux autres, il y a même un souba, les eaux guimatées. Wana et comme si on ne passe mouni. Parce que la émission que prostate des voisins a vessie. Et des voisins a vessie, na irek. Alors, tant que les autres comme à mounene, et compressé à Kanzela et à Massouba. Les autres compressés Zela et à Massouba. Alors, tant que les autres compressés Zela et à Massouba, pour Massouba et Bima bien, au moment où Massouba et Zoé et Zoé, mais les autres, on a fait ça, exemple, il y a robinet. Bon. On m'a dit pompe, ceux qui ont suivi étaient ni endetté, au cotisine à pompe, au comment on a créé, à ta maille, ils ont la pression, mais moyen qui m'a la pression, ils ont été. Au moins, on a passé exemple banal, on a pour à tout bas comprendre. Et ça, on a payé bon. Donc, ceux qui prennent des airs à copine, ils ont compressé, voyant, donc, il y a ma soupe à collecter là. Ils ont compressé, ils ont comment rétréci. Moyen ma souba et ma souba bien exacté. Ce que nous concerne les rétentions urinaires, on est obligé à proposer les sondes pour nous aider à souba. Nous sommes comme on appelle s'il y a une dyséctasie. Donc, ce qui blocage est ça, moyen de sonder les canavois basse exacté pour que nous avons un souba dans la liboumou. Dans la liboumou, pour nous avoir un souba dans la voie haute, nous avons un souba dans la liboumou. Ma condition de place ou en impôt est aidé parce que la édition papa, ce qui m'a soumis est Kangami yo ao. Donc, au Koko Senganzambe, a quitté sur place, donc nous avons ma béni et sa mana. Mais je vois ce qu'ils ont perturbé, donc ils ont vraiment. Au moins, on a ta bonité. Moi, ils ont aux hommes déjà les voix. Alors, quand vous autres, vraiment, ils ont pour nous soulager mon talent, c'est pourquoi nous, à notre niveau, à ce moment-là, il y a des produits que nous administrons dans le niveau. Mais il y a des gens qui sont administrés, qui sont là, 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 qui pression là, qui sont 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 là, cette fois, Naboutou. Déjà, si vous constatez Naboutou, il faut faire attention. Il faut déjà faire le check-up pour battre à niveau et à glade Nayo et ça démini. Voilà, je crois que Batouba Landabiso au bazar se retrouver Naba symptôme Wana, Topé Bassin Wana, Nalingim, docteur ou apaisé Bango avant aux adresses où est-ce que Baroui Koyako aux solutions va promener Nabango. Vous voulez nous certifier que. Ce qui est en train de se faire, énuméré tout à l'heure, la solution est en train de se faire, la zone et le fonctionnement normal, il y a des autres. Oui, c'est ça même ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, ce qui est en train de se problème qu'on a entendu, vraiment, il y a une solution. Et puis, on a retrouvé la santé, la zone normale. Mais si on a dit qu'on soit bien tête, au moment où je suis dit que je bien. Mais si vous avez une douleur, vous avez la bonté, chaque bouton, vous êtes obligé au téléphone qui est sous chaque bouton, après 15 minutes, après 20 minutes, après 10 minutes, après 5 minutes, après 5 minutes, vous avez une bouteille pour les années de temps pour ça. Vous avez une bouteille pour ça. Donc, au moment où santé, vous êtes normal, au moment où papa a besoin de la santé, maman n'a pas besoin de la santé. Voilà, merci en tout cas, docteur. Alors, où est-ce que les téléspectateurs qui vous suivent va se retrouver dans un problème. On a tout peu Oyo Bazali. Il faut que vous allez dans Rananda, quoi. Vous allez comme on a des mois que nous sommes pas en pamba. Vous pouvez l'intéresser le bien à l'année émission. T'as la solution, Yangou. Alors, Ndeko Bazali pour se retrouver dans Ninoana, Nabaka Wana, pour retrouver docteur Papi Luc Topé Centre Sikanini pour que vous pouvez rejoindre. Nous sommes au cabinet de phytothérapie congolaise. Je vous ai dit que nous faisons. La phytothérapie congolaise, la démarche elle est comme en médecine moderne, toujours poser anamnèse, diagnostic, tout ça, les examens cliniques, après les examens cliniques, nous envoyons les patients de faire les examens paracliniques,
dès que les examens paratechniques confirment que et le retournement là qui la consultation qui est le corona, les diagnostics deviennent des diagnostics de certitude, tandis que voilà, vous êtes un malade brouillé. Maintenant, nous pouvons instaurer la prise en charge pour les traitements qui est phytothérapie à base de plantes médicinales. Nous sommes au cabinet de phytothérapie congolais sur l'avenue Opala numéro 4. Wana référence Ezali Avenue Force Nakasavu. Avenue Force Nakasavu au côté Nango, Nare au Bazoka Babi, tu vois, Matadi, Matadi, moi, la Boma, Biska Bazoka Babi, Suana, Bazoka Nangope, Gambela. Donc, ce qu'on commet, Wana, au Botuni, Avenue Opala numéro 4, des Biska Cabinet Phytothérapie Congolaise Ezali. Ils peuvent nous contacter sur 089 85 21 392. Ou encore s'ils peuvent nous écrire sur WhatsApp, c'est plus 243 81 027 53 75, plus 243 81 027 53 75. On les a coordonnées dans le les cabinets est ouverte des 8h à 16h. Donc nous sommes là chaque jour du lundi à samedi, de 8h à 16h. Voilà. Pasteur Papy Luc, merci en tout cas d'être venu. Merci Papa Vladek. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Il s'appelle comme ça le pasteur Papy Luc. Il est pasteur, il est phytothérapeute. Auto-expliqué Nyosoane. Avec lui, nous avons parlé du traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate sans intervention chirurgicale, c'est-à-dire la prostate qui est une glande de l'homme qui a pris du volume. On a essayé de trouver des solutions. Maintenant, le lenganzete, na ba kishuezel ko sa lema na banzete na bisomoko awa pour que solution yom to banga gamu nga pas cela ombeli. Voilà une solution qui est à votre portée. Donc c'est votre mission. Merci d'avoir suivi. On se retrouve au numéro prochain.